Alors j'ai fait une tentative d'overlay, donc je sais pas, hein, je vais essayer, puis si c'est à chier, c'est le live de test. Faut vraiment que Dwakishmoot apprenne des attaques, parce que quand t'es niveau 31, tes attaques c'est trancherbe, charge, méga sensu et croissance. On dirait les attaques genre de Bulbizarre au niveau 14 quoi. Je vais me faire def, hein. Tête de fer. Bon, s'il a que tête de fer, en vrai, ça va. Ah oui, d'accord. C'est vite abandonné à cause de crocodricon. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure en maladie. Tes yeux, t'as retrouvé la vue. Mon dieu, c'est un miracle. C'est la Vierge Marie. C'est comme Lourdes, mais dans une grotte avec du vomi au fond. Maintenant, tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices. On continue nos recherches. Groa ou Graou. Je suis doubleur officiel de Miraidon. Hein. Ils m'ont contacté pour l'animé d'ailleurs. L'autre, il a un double sourcil, quoi. Un double monosourcil. Alors, c'est déjà dur d'avoir un monosourcil, mais alors quand on a deux, c'est chaud. Hein. On se retrouve encore dans la même arène. Quelle coïncidence. Non, mais Menzi, arrête. Arrête, Menzi. Je t'ai déjà dit que ça allait pas être possible. Tu as 17 ans, j'en ai 10. Je t'assure, la preuve, c'est qu'on va pas se battre. Même si ça me démange un peu. Bon, là, ça, on avait pas envie de savoir. Je vais pouvoir préparer des plats délicieux. Ça, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Les animations, des fois, c'est un peu bizarre. Et là, les gens qui sont derrière. Le mec, il crie quoi? Parce que c'est notre projet! Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, les gens, il leur a arrivé quoi aux gens qui sont en train de manger, là? Ils sont tombés dans la trappe. Let's go, Dwakishmoot qui évolue! Waouh, alors là, c'est des sacrés Dwakishmoot, là. Le doigt est assez ok, non? Oh, j'ai encore roulé sur un truc. Ah, mais comment tu veux que je vois ce truc là? Et l'autre il fait 1,5 cm. Ah, t'as les flamants roses là, les fameux. Je suis pas du genre à faire le chiant avec les Pokémon qui ressemblent beaucoup à des animaux, mais là, bah des Pokémon, c'est littéralement des flamants roses. Ouais, Crocodricon qui évolue. Voilà, les adversaires vont vite abandonner maintenant. C'est lui le Pokémon qui évolue dans le truc du type Dragon Glass, je crois. Oui, c'est lui. Bah, vas-y, on va l'attraper. Parfait. Frigodilux. Ah, les grottes, la tristesse des grottes maintenant, genre t'as vraiment un chemin. J'ai ramassé de la sueur de Meditica. Pardon. Waouh, il évolue. Let's go. Alors, attention maintenant, gameplay de fou. On va faire du running avec Pomme C. Allez, cours, c'est bon pour ton bide. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce Pokémon doit marcher 1000 pas en dehors de sa Pokéball et monter d'un niveau pour pouvoir évoluer. Salut. Ah, c'est Fanta. Salut. Non mais... Oh. Ok. Non, non, non. Oh, échec. Oh, non, la tristesse du gameplay là. Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Oh non, c'est des bullies. Pas aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie. Ah oh, oui, ils sont énervés, les étudiants là dans ce jeu. Il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. Alors là, ça va pas rester impuni. Là, ça va pas rester impuni, ok. Ça, c'est des gens qui profitent des bourses du Crous, hein, je le dis moi. Ville canaille, ville canaille. Ah, mais t'es énervé, mec. Je t'ai rien fait, l'autre il m'insulte. Il m'a dit ville canaille. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Chester le dresseur là, qui a un Gloopty. Et bien, moi j'ai Pomme C, dont on ne sait toujours pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Les élèves qui sont réunis dans ce repère font partie de la team Poison, la team Star. On les appelle le groupe C. Ah, c'est les Tziganes, hein, on les reconnaît. Ils font des camps un petit peu partout là, et ils empoisonnent les riverains. Putain, la musique. Ok, on a un ninja là, mais rose et vert. Je crois qu'il a pas trop compris le concept des ninjas. Allez, au revoir Mouflair, à plus dans le bus ou dans la voiture. Est-ce qu'il est sur une voiture? J'adore rire. C'est grâce à la Team Star que moi et mes copains, on peut de nouveau aller à l'école. Sans cette opération, on aura encore trop peur de nos harceleurs pour y mettre les pieds. Oh là là, en fait, c'est les méchants qui sont gentils, mais en fait, ils sont méchants, mais ils sont gentils, parce qu'en fait, ils sont méchants pour être gentils, en fait. De son propre aveu, notre Big Boss ne sort pas de son logis par peur des interactions sociales. Oh mon dieu, non! 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 Le Big Boss, c'est un fan du Z-Event! Agro! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah là, c'est la légendaire Beats qui joue avec un enfant! Arrête! Oh, au secours! Oh non! Ah, c'est terrible avec ce que je viens de dire, c'est horrible! Oh, il dort maintenant! Ah, je n'assume plus cette blague! Ah, oh, merde, qu'il m'a pas mis dessus! C'est quoi cette chose? Non! 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 C'est honteux! Oh, les yeux qu'il a! Il a l'air complètement mongol. Oh, il y a un scalpion là-bas. Scalpion, j'aurais bien aimé en avoir un dans mon équipe. Tac! Par contre, comment on va l'appeler? Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas la ref, à aller sur ma chaîne Twitch et à aller regarder le clip Mao Tse-tung, bien sûr. Ça, c'est vraiment extrêmement raciste. Appeler un samouraï, un nom chinois comme ça. Hashtag cancelgui, bien sûr. Chut, je suis rentré dans quelque chose. Putain, mais t'es tout petit et t'es noir! Quoi? Comment ça, mon ref? Dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu! Le Tritox! C'est bon, ce soir, pas facile. Ah! Ah! Mais il se passe quoi? Il fait quoi?
Attends, je descends de la bite. Je peux pas. Je suis coincé. Il s'est passé quoi? Il a fait une crise d'épilepsie, mon Miraidon. La grande majorité des dresseurs et des dresseuses renoncent à mi-parcours. Comme dans les études, dans la vraie vie. On dirait Louis Boyard, le mec. Étudiant, bloquez toutes les universités du pays. Oh, la maniabilité est horrible. J'ai toujours une pensée vraiment pour les gens qui font coucou dans le fond et ont l'air vraiment trop hype pour un truc qui a l'air nul à chier. J'ai freeze, ce qui fait froid. Allez, au revoir, la double faiblesse, paf, ça dégage. Ça va partir sur un bon vieux sweep de Crocodrécon là, je pense. Nani ? Pourquoi ça m'arrive toujours des trucs comme ça ? Je vais perdre! Est-ce que je peux tanker avec Doigt qui schmoute et faire on voit le miroir? Et tank, Doigt qui schmoute! Tank! Oh oui! Oh oui! Oh non! Oh non! Non! Pas ça, Doigt qui schmoute! On bat les couilles, frère! Oui! Doigt qui schmoute! Let's go! Prosternons-nous devant notre maître à tous. L'ambiance de ce petit village est très sympa. Regardez, c'est tout joli, j'ai envie de prendre une photo. Oh, trop mignon! Oh! Oh, il fait dodo! Comment il est en clic? Je prends photo avec ma vieille marmotte là. Sandy, vous serez sa première partie. Oh, on va faire de la musique! Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout. Merci, mon public! Pour être vainqueur et gagner les défis. Chez toi, t'as beau être le patron. Tes rimes sont aussi rincées qu'un écaillon! Je te file aussi une place VIP pour mon prochain concert. Ah, merci, ça me fait vraiment plaisir. Beaucoup mieux que vos PNL. La pomme C aurait dû évoluer. Ce que ça veut dire, c'est que si vous rentrez le Pokémon dans sa Pokéball, ça réinitialise le compteur de pas. Ce qui confirme mon hypothèse, comme quoi ce jeu est nul à chier. Hop, petit chocobon pour reprendre les formes, les forces. Oui, aussi, lapsus révélateur. Le passage, c'est malheureusement fait strike. Mais bon, je voulais le mettre parce que la pomme évolue quoi. Allez, musique. Allez, petite photo souvenir avec le random Blizzy qui est en mode photo en bombe derrière. Voilà, c'est qui ça? On dirait Falcon dans le dernier film Batman. Mec, ta cam, elle est inversée. Attends, je vais la remettre à l'endroit, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon. Merci de m'avoir prévenu. Le fondateur de la Team Star qui a causé tant de mal autour de lui. Après, ce serait logique que ce soit. La Team Star, c'est littéralement des gosses qui se sont fait bolos et qui se sont fait harceler. Elle, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle se faisait bolos et elle se faisait harceler. Bah, l'écriture, mesdames et messieurs. Bonjour. Attends, c'est moi, il m'a parlé, le poisson, là. Mais il sort d'où, lui? C'est moi, on marche sur l'eau, là. Non, c'est le premier dominant que j'aurais dû rencontrer, celui-là, en fait. Alors, question, est-ce qu'on va le one-shot ou pas? Oui. C'est prévisible, hein. Bon, allez, n'en parlons plus. Les Pokémon dominants, c'est fait. Et voilà. Oh là là, il se pète la gueule comme un nulos. Groif. Oh, les émotions. Oh là là, c'est beau. Et moi, je caresse mes légendaires bites. À ne pas sortir sur le contexte, bien sûr. Oui. Moi, quand j'arrive en ville, là, défoncer les gueules avec mes potes les Eliatrons. Salutations, Challenger. Ah ouais, ok, il va se suicider. Non, ne saute pas, mec. Ne saute pas, il y a d'autres solutions. On dirait un peu Benabar. C'est l'effet papillon. La Team Star est un harcèlement d'élèves victimes d'harcèlement. Les boss ont provoqué un duel des auteurs de ces harcèlements. Effrayés par la Team Star, ils ont cessé d'aller à l'école les uns après les autres. La seule vraie solution, répondre à la violence par la violence. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Leur aperçu, c'est la dernière. On compte sur toi. Ok, les enfoirés. On compte sur... Bref, ils sont où les bambous? Ils essayent de me piéger! Mais non, je ne dirais pas que les bambous sont là! C'est hors de question! Il est temps de démanteler le groupe CAF! Enfin, on va démanteler la CAF, les mecs, on en a toujours rêvé! On va enfin le faire! Elle a 6 Pokémon! C'est tellement mort! Je rappelle que j'essaye de le faire sans objet! Hein. Oh là là, il a vie obscure, putain! Oh là 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 là! C'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre. On va falloir tout sort taper le truc. Je suis dégoûté de ma vie. Round 2, fight! Non, crofeu, ça tue pas. J'ai envie de crever, putain! Ah, je me suis cogné le genou en plus. Ça, parce que j'ai eu peur de rater la câlinerie. Non! Putain! Mais putain de putain de putain de putain! Je suis le pire des Mongols de cette planète! Bref, allez, on est reparti. Round 3, fight! Vivre obscur. Oh non, bah voilà, c'est foutu. Finito, merci le flinch. Ah, mais là, peut-être que je one-shot en fait. Putain, évidemment, j'allais rater ma câlinerie à ce moment-là. Mais c'est le pire jeu! C'est le pire jeu!
Attends, ça l'a pas... On peut pas le paralyser? Non. Round fight. Bah du coup qui échoue puisque je fais pas une attaque directe. Allez, ça dégage Quatox. Ok, donc là il envoie Quatermac. Gros singe. Donc il fait close combat, qui fait mal mais ça va. Donc là normalement je devrais tuer avec ma chouille. Évidemment, il tank avec un PV. Évidemment, j'aurais dû faire Kalinry. À chaque fois, j'ai trop peur de miss, du coup. Lucario, normalement, je one shot avec close combat. Le problème, c'est son Brombotor de merde. Je peux pas le statue et il fait vraiment trop. J'ai fait étincelle. Mais putain, mais je suis trop con. Je suis un énorme mongol. Et ça, c'est un truc de ouf. On prie pour la déflagration, sinon on a perdu. Oh, je crois qu'il a tanké avec un PV. Ah, et là, il a cavé le route. Et là, ce coup-ci, il a de quoi one shot. Oh, j'ai tanké. Oh oui, le casque brut. Allez, va te faire enculer, Nefli de la Team Star de merde. T'es vite abandonné à cause de Crocodricon. Elle m'a dit qu'elle comprenait à quel point c'est dur d'avoir personne sur qui compter. Putain, la lumière qui s'allume et qui s'éteint et la flotte qui tombe, aucun sens. Où est ce Big Boss? Pas d'inquiétude, nous n'avons pas besoin de le chercher, car le cerveau de la Team Star, c'est moi. C'est très peu surprenant. La Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde, y compris ses membres. Et bizarrement, hein, c'est pas la meuf avec les cheveux rouges et bleus qui est venue m'apporter les trucs. Mao Tse-tung évolue. Parfait. Bon, comme d'hab, c'est inintéressant au possible hein, de visiter les villes dans ce jeu. Alors, c'était un des meilleurs trucs dans Pokémon. Visiter les villes, aller parler aux PNJ, rentrer chez eux, voler les objets chez eux. Maintenant, Mao Tse-tung évolue. Bah voilà, on a notre scalper. Pour affronter Machine, la championne, vous devez réussir l'examen d'arène. Ceci consiste à faire une apparition sur la chaîne de Machine. Ah, let's go. Fit and fun. Ah, je sens que ça va être boomer à fond. Mais au cas, t'aurais pas remarqué, je suis assez occupé parce que je suis pas n'importe qui. Oh là là, c'est une vraie streameuse, elle se sent plus pissée. Je suis venu apporter mon aide, je compte sur vous pour une collaboration amicale. Ah oui, il est parti vraiment en mode bip bip quoi. Bip bip. Ah oui, c'est vraiment un trouvé Charlie quoi. Bah il est là. C'est très bien. Very good. Oh, il est niveau 22. Oh. On va se faire chier dans cette arène. T'es vraiment au niveau Uber, toi. Oh, la référence. Mais non, ils ont fait une référence à Smogon dans un jeu officiel. Ça, c'est une révolution pour Pokémon. Ça, c'est une révolution. Le monde ouvert, on s'en bat les couilles. Game Freak a fait une référence au Uber de Smogon, un format non officiel de stratégie. Oh, t'as la confiance en toi, c'est bien, tu feras un bon streamer. Merci machine. Bon, il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Vous en dites quoi? J'en dis peur. Personne n'a dit peur, c'est pas un vrai stream. Elle a l'air de rien, la demi-portion, mais elle ment pas. Elle est bien au conseil 4. C'est pour dire à quel point les gens sont nuls dans ce monde. T'as des gros darons qui ont 50 balais, ils se font mettre la misère par une petite fille de 3 ans qui est au conseil 4. Pas bon là! Les dons! Les dons! Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on retourne à la première ville. Oh non, ça va être tout bas niveau. Mais je veux m'amuser, s'il vous plaît. Oh! Frigozilux qui évolue derrière une super bite. Wouah! Stylé. Je vais essayer de baisser le scalproie là. Ouais, comme ça, maintenant, on a l'impression qu'il a le doigt qui schmoute dans le cul. As-tu apprécié mon programme de fitness? Si je vais y créer, c'est pour sublimer la beauté intérieure. Eh oui, parce qu'on quand on est gros, on est moche. Merci Pokémon de faire passer de si belles valeurs à nos enfants. J'ai rarement vu Mency aussi surexcitée, mais j'ai l'impression que toi, tu as l'habitude de la voir comme ça. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ah, il est niveau 60. Ah oui, d'accord. Donc, le fun est de retour, je répète, le fun est de retour. J'aime bien les gens, ils passent à côté, ils en ont rien à foutre. Je suis en train de me tabasser avec le proviseur, tout le monde en a rien à secouer. Cool story, bro. Mon Golguiche, c'est Palpatine. J'imagine que tu es surpris, le Big Boss Cassiopée, c'était moi depuis le début. Waouh, quelle surprise! Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffit d'interagir en tant que membre de l'équipe de ravitaillement. Qui aurait peut-être été un peu moins suspect si tu n'étais pas la seule personne de l'équipe de ravitaillement. L'ordre de dissolution de la Team Star ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss sont officiellement annulées. Et 50 points pour Gryffondor. Je fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Des absences injustifiées, prolongées. Oh, il a l'air tellement vénère! La dégradation de vos uniformes, les courses sauvages et j'en passe. En guise de punition, vous serez responsable des CES, les centres d'entraînement stars. C'est déjà de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'Académie et la Ligue Pokémon. On appellera ça des arènes Pokémon. Attends, non, je crois que le nom est déjà pris. Ok. Entraînement Team Star, c'est très bien. Ah, je suis de retour dans mon appartement du Crous. Là, il y a des feuilles pour faire croire que je travaille alors que depuis que je suis arrivé, je me balade dehors. En fait, je sèche tous les cours. Ah, ça me revient, c'est toi le petit nouveau. Raconte que t'es tombé d'une falaise et que tu as même affronté la Team Star. Ça a été une plutôt longue journée, effectivement. Tu sais, mon rêve, c'était d'être enseignante. Mais j'ai fini par devenir infirmière, donc je peux pas donner de cours. Aïe, aïe, terrible désillusion. J'ai bien essayé de passer l'examen pour devenir prof, mais j'ai échoué. Aïe. Elle a raté le KPS. Coup dur. KPC, exactement. J'ai beau être un élève, je me suis livré à toi sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. T'es devenu un peu plus proche de Madame Mimosa. Attends, mais je suis qui à draguer ma prof comme ça? Je suis Emmanuel Macron. J'ai une excellente nouvelle. J'ai reçu mon examen. Putain, la meuf, en 30 minutes, elle est devenue prof quand même. C'est littéralement le même processus qu'en vrai.